What's up les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien, merci, c'est The Gamers Discothèque. On se retrouve pour une toute nouvelle épisode de Assassin's Creed Origins. Comme vous constatez l'autre fois, on s'est quitté sur un live, j'étais sur le live de YouTube, ma chaîne YouTube, du coup on a fait, on a terminé tout ce qui est, oh non, on a terminé tout ce qui est ça, le nom d'Inep Hedget, il y avait pas mal de missions à faire puisque j'ai tout fait ça, donc voilà, c'était sur le live. Et du coup, on s'est concentré, que je vous ai dit une fois, qu'on va partir sur ces deux pyramides, c'est le Gizeh. Donc la mission d'aujourd'hui, ça sera la map de Gizeh et on va découvrir qu'est-ce qui va nous attendre. J'espère que je vais explorer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans ce fameux, les fameux pyramides? Et en plus, faire une synchronisation là-bas. C'est là, il faut que je la fasse, honnêtement, et on verra par la suite. C'est parti, les amis. Du coup, la première des choses, c'est... j'envoie... Oui, il faut que j'aille jusqu'à 300 mètres, je pense. Ou bien plus. On va voir, hein. Je suis pas encore sûre totalement, mais il faut que j'aille d'abord synchroniser ça. Avant que je commence l'épisode ultime, quoi. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous passez un bon début de semaine, les amis. Du coup, voilà. N'hésitez pas si vous voulez vraiment que je fasse un live sur ma chaîne YouTube de temps en temps pour Assassin's Creed. Donc là, il faut que savoir où je peux monter. Apparemment, non. Il y a une astuce, les amis. Bon, là il faut bien réfléchir. Le pauvre, comment il s'étouffe, Bayek. Voilà, c'est parti. Ah, ah oui. Ah non, non, non. Ah oui, d'accord, d'accord. Ok, ça marche. Je savais pas que c'était aussi compliqué que ça. Faut aller doucement. Je ne savais pas. À part parce que les pyramides, normalement, il y a des pierres pour que tu puisses monter jusqu'en haut. Je ne sais pas parce que je suis pas partie en Égypte, les gars. Donc, je dis juste comme ça, hein, honnêtement. Donc, du coup, voilà. C'est parti. J'attends ça pour le faire. Hop. Voilà. Allez, il est... Oh là là, c'est tellement loin. C'est tellement... Oh non, 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 non. Ne tombe pas, s'il te plaît. Attends. Waouh, j'ai tout fait ça. Oh là là, c'est tellement compliqué. Et là, il n'y a pas le saut, hein. Il n'y a pas le saut. Allez, encore. Vas-y, Bayek, tu peux le faire. J'espère qu'il va pas sauter de l'autre côté. Je croise les doigts. Ah non, 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 vas-y. Encore un peu. Et c'est nous qui est en train de me courager d'en haut, je le vois là. Mon petit drone. C'est parti. Hop là. Allez, plus que ça. Combien encore? Il y a 10 apparemment à monter, quoi. Les amis, donc voilà. Voilà, on est arrivé. Waouh, 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 waouh. Oh, je l'ai fait, les amis. Je l'ai fait. Est-ce que c'est la plus haute? Attendez, il faut que je vois ça. Oui, c'est apparemment, je pense que c'est la plus haute. Mais on va faire, bien sûr, la synchronisation. Et je pense que je vais glisser ici et on va voir si je vais le faire, je vais le faire à l'improviste, comme d'hab. Bon, pour glisser le lendemain, faites le B, ok. Quel idiot a installé un campement ici. Mieux vaut aller voir. Quel idiot. Non mais attends, attends Bayek, tu vas pas faire. Attends.
Oula, je l'ai fait, les gars. Ça glisse, hein. Mais non! Pourquoi tu as fait ça? Attends. C'est pas grave. Je l'ai refait encore. Ok, la quête qui va commencer, je pense que c'est lieu précieux. Alors, lieu précieux, ça veut dire Bayek fait la rencontre d'un prisonnier qui a besoin d'aide pour retrouver une bague perdue. Exactement, c'était ça. Si vous constatez, vous avez vu l'ancien épisode, normalement, il a parlé avec quelqu'un qui voulait, à cause d'une bague perdue, qu'il la cherche. Et Bayek lui a dit, vas-y, je vais t'aider, il n'y a pas de problème. Donc, on va y aller sur ça, donc voilà. Allez, c'est parti. Oh là là, mais c'est tellement joli. Et je remercie franchement GeForce qu'ils ont amélioré leur bug. Parce que là, maintenant, on n'a plus de soucis avec la GeForce, le Shadowplay. Donc merci à eux aussi. Je tiens qu'ils font des efforts pas mal. Oui, je sais que j'ai des armes en main. Wow. Donc voilà, en retour au but du sujet. Hey. Donc voilà, on va continuer, on va partir le sauver Rachidi. Je vais envoyer... c'est nous, comme d'hab, qui va me dire où il se situe. Il se situe là-bas. C'est fait. Donc, on va faire ça. Wow, je vais devoir être prudent. Exactement. On doit prendre un peu... Ouais, il me manquait ça. Du coup, je vais basculer en mode couteau. Pour qu'il dorme tranquillo. Alors. Faut que je me... Ah ouais. Attends, faut que j'envoie. Ah, il y a deux. Donc il y a deux commandes, il y a un commandant et un capitaine, et trouver le trésor. Ok, oui, je me doute pas. Hein. J'espère qu'ils sont pas nombreux. Moi, la seule idée que je peux faire, c'est me basculer en mode nuit. Et j'espère que ça va marcher. Ah, mais il y a plein de pyramides. Hein. Je sais pas c'est quoi là-bas, là, mais bon. Ok, nickel. Le premier, il est là. Allez, un petit couteau. Oh non, il faut... Voilà. Mon petit drone, joli. Ah. Ni vu ni connu. Ça, c'est fait. Il faut que je liquide l'autre, là, qui est là, parce que apparemment. Voilà. Il est parti dormir. Il est parti dormir. C'est... Ils vont continuer à dormir tranquillo. En même temps, je prends ça. Oh, il arrive. Il arrive. Ne viens pas par là, s'il te plaît. Du coup, ce qu'on va faire... Eh bien, qu'est-ce que c'est? Non! Quelqu'un devra payer pour ce méfait. Tu dors toi aussi, hein? Alors, les porter, il n'y a pas mieux, et les faire cacher dans un buisson. Ok, ce sera inclus pour l'autre. Oh là là, c'est quoi ça? Ah, il commence les vautours à venir parce que, voilà, ça sent la mort. Et quand ça sent la mort, c'est pas bien. Alors, je vais prendre ce qui me reste ici.
Vite fait. Faut qu'on prenne tout, parce que j'ai besoin de prendre le... Attends, c'est quoi ça? Ah oui, porter. Et normalement, quand ils sont à la nuit, ils dorment. Ah, graphite, on parle du loup, quoi. Génial. Oh, punaise. Il a su que... GG à moi. Ils sont morts? Ouais, ils sont morts. Attends-toi. Oh non. Tu vas payer, là-bas. Ils ont pas su? Ok. Il faut qu'on la fasse tranquillo. Attends, je me cache ici par contre. Je vais voir si j'ai pu prendre un truc. J'ai pas oublié. Ouais, il faut que je prenne un peu mes. Des couteaux. Un peu de munitions, quoi. On peut dire ça. Hein. Du coup, voilà. C'est parti. Il me manque. Oh, mais ils sont là. Ah, je ne sais pas, il se bagarre avec les hyènes. Ça tombe bien. Il m'en manque rien. Alors, faut qu'on sache l'entrée. Oh, mais non, il m'a vu. Prends ça! Il est sorti par là. Mais non, pas. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Quelqu'un? Eh oh! Mais sortez-moi de là! Mais tais-toi! Vous revenir. Tais-toi! Il faut que je dépose tranquillo et après je viens, mon pote. Il faut que je libère. C'est toi qui crie, donc c'est à toi de te libérer. Donc voilà, je sais que tu te caches là-bas, mais il faut au moins que je liquide tous ces gardes parce que ça va être chou là. Attends. Merde. Attends, je vais les porter, ils sont morts. Je vais pas les mettre en haut, mais par contre, je vais les mettre ici. Ni vu, ni connu. Faut la faire un peu pro, quoi. Du coup, voilà, c'est parti. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fout l'autre, là? Faut que je me débarrasse de lui, parce que là, ça va être chaud. C'est fait, il nous reste combien de pas garde? En captivité. Ah voilà, voilà, voilà. On va faire ça vite fait. Comme des pros. Si on l'a fait à la perfectionniste. Allez, lève-toi. De dos. Ou bien si tu es mort, je m'en fous. L'essentiel. Ok, c'est un hyène, je le savais. Je savais que c'est les hyènes, quoi. On va prendre ça, puisqu'on a besoin. Oh, mais désolé.
Ouais, il est en train de le manger. Ah, désolé, je peux pas t'aider. Je peux pas faire tout ça à la fois. Les vautours qui commencent à venir, parce qu'ils sont la mort. Allez, venez vous régaler. Les vautours qui attaquent de l'autre côté. Et je pense... On l'a fait tranquillo, quoi. Bon, combien il nous reste de gardes? Apparemment, il nous reste... Faut que je monte en haut, parce qu'il y a... Voilà. Attends, je vois... tu peux pas. Voilà, un peu de blé. Non, c'est de l'autre côté. Tu as peur de te battre contre moi? Hé là! Hé! Crac! Elle est mort! Meurs! Donc il nous reste en tout deux gardes. Si je me trompe pas. Je sais, je vais venir. J'essaie de tout prendre. En éliminant le dernier qui va être là. Et c'est terminé pour lui. Bon, je l'ai fait très très bien. Donc voilà, il n'y avait pas aucune alerte. C'est ce que ça tombe. On va le faire. Voilà. C'est nickel, ça. C'est, comment dirais-je, on l'a fait, voilà, pas mal. C'était pas mal du tout. Du coup, on va chercher ce gars-là, ce Rachidi. Non, mais pourquoi ça me fait... Ah, il est en train de manger. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il a bugué. Oula, comment je l'ai fait? C'est logique, quoi. C'est parti, Bayek. Oh, il y a quelque chose qui... C'est logique. Hop. Ah, je vais prendre un peu... Non, complet, c'est bien. Ça va faire mal. Du coup, on le libère tranquille. Pardon, j'ai reçu des messages. Hop, c'est qui encore là, qui m'envoie des messages? Allez, c'est rien. C'est mon Facebook. N'hésitez pas à vous follower sur toutes mes plateformes. Ah, mais il est mort. Ok, on va l'éloigner. Il dort. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes mes plateformes. Vous aurez surtout ma page Facebook. Et du coup, c'est là-bas où je serai. Je vais postuler tout ce que ça sera sur mes lives, mes épisodes. Donc voilà. Franchement, vous êtes une communauté en or. Et j'apprécie vraiment le geste que vous m'appréciez et que vous me dites si je peux continuer, si je suis bien ou pas. Donc voilà, merci à vous tous. On continue. La bague que vous avez trouvée attire les convoitises. T'es au courant pour la bague? Bah oui. Oba et Nepti ont dit que tu avais des ennuis. Je crois que vous feriez mieux de changer de vie, non? On pourrait. Si on avait la bague! Attends, tu veux dire que tu ne l'as pas? Touro m'a frappé au visage, puis il est parti au tombeau des Mionou pour la vendre! Touro. Qui est Touro? Un frère! Évidemment. Je vais m'assurer qu'il va bien.
Va retrouver tes autres frères. Tu seras en sûreté avec eux. Ha ! Ha ha ! Je me demande quelle histoire Touro va me raconter. Alors, c'est partir trouver Touro. Encore, la mission c'est trouver Touro. Là, je vais pas la faire, là. Je vais partir ici directement pour découvrir. C'est toujours dans la map Gizès. Gizès. Je sais pas comment le prononcer. Mais je vais partir appeler mon cheval joli. Allez, c'est parti. On a 700 mètres à faire. Du coup, il faut pas qu'on se fasse planter. Je pense que on est... Oh là là, c'est une montée très... Ah non, non, on peut pas. Non, on peut pas. Faut pas me prendre pour un con, quoi. C'est parti. Hop. On va papoter entre temps. Et voilà. Du coup, si vous connaissez encore, il y a encore un nouveau jeu qui va sortir, le nouveau jeu Far Cry. Donc je suis vraiment très contente. Ça va être mon deuxième jeu avec Assassin's Creed et actuellement et mon GTA RP. Voilà. Wow. Bon, apparemment il y a quelque chose en bas. Je pense. Attends, on va aller, qu'est-ce qu'il va nous dire? On va emmener un peu, c'est nous. Ah ouais, ne dites pas. Voilà. Cible localisée et apparemment il y a les hyènes qui sont là. On va y aller, hein. Wow. Ah, c'est lui. Finito. Finito, on va partir. Je pense qu'il n'y a pas les gardes ici. Attends. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. On dirait que les bandits l'ont rattrapé. Mais sont tombés sur des hyènes. Touro fait partie des morts. Je pense pas. Ah oui, il est mort. Ben, on va prendre... Ah, ce doit être Touro. On va prendre ça. Oh, il est mort, le mec. On va prendre tout ça et après je vais les transporter. Apparemment, il est mort. Et la bague, je pense que je l'ai. Je pense, j'ai pas vu. Il n'y a rien à prendre. Oh oui, mais comment je vais le laisser, quoi? Qu'est-ce que... Ah. Sa main a été dévorée. La bague a dû être avalée par une hyène. Je n'en sortirai jamais. Alors, trouver, tuer la hyène qui a avalé la bague. Oh là là, mais c'est quoi cette mission? Oh, je vais maintenant chercher la hyène qui a capturé... qui a dévoré la main du monsieur, donc du trou, je sais pas comment il s'appelle. Oh, il transpire le pauvre. Désolé si je t'ai mis cet habit. Mais viens par là. Mais c'est par là. Voilà. C'est parti. Toujours, ça sera sur 500 mètres, comme d'habitude. Regardez comme c'est beau, c'est pas joli le graphisme. Puis, attendez, je vais prendre un peu ça. Wow. Joli, joli, joli coup. Honnêtement, chapeau. Alors, on va trouver la hyène qui a avalé la bague. Sûrement, je vais envoyer Sinu pour qu'il cherche. Parce que franchement, il faut que je vide ses intestins, quoi. Du coup, voilà. Wow. Mais attends. Yeah. Toi, tu... Allez, dedans. Voilà. Sûrement parce que lui aussi, il cherche la bague.
personne là-bas. Elle est dans sa petite grotte. C'est facile. Et je pense que les cartes, ils vont venir encore. Hein. Je sens ça, je pense, mais je suis pas sûre à 100%. Du coup, c'est une grande histoire, cette bague-là. Ah, elle, elle dort. Allez, on va vite confirmer sa mort. J'ai la bague. Ah, enfin. La bague recherchée par Roba, Nepti et Rachidi. Il est temps d'en finir. Cette bague qui est très importante aux yeux de Pillard. Mais pourquoi il court comme ça? Ah, il est fatigué. Parce que c'est le sable, on peut pas courir si vite. Donc non, normalement, il faut que j'appelle mon chameau. Parce que le désert... Ah, mais il est blessé ou quoi? Ah, oui, il a été contaminé par le truc, mon poison. Attends. Wow. Yeah. Allez. C'est fait, ça. Hop. On est pas loin. 400 mètres. Préparez-vous. Pourquoi je me prépare? Il n'y a rien à faire pour que je me prépare. Allez, cours, hein, mon cheval. Chapeau. Allez, cours, cours, cours. On va courir encore. Je pense que c'est par là. Si je me trompe pas. Wow. Aïe, aïe, aïe. Désolé, désolé. Encore eux. Je déteste ce langage là. Wow. C'est parti. J'ai de mauvaises nouvelles. Tu as perdu la bague. Tu as perdu la bague. Et voilà. Tu as perdu la bague. Et voilà. Kuro est mort. Oh, quelle tristesse. Et la bague? Oui, c'est une tragédie. Et pour la bague? Tu l'as trouvé? Oui, je l'ai trouvé. Vous m'avez entendu? Pour Touro. Ils s'en foutent, Kai. Ça, c'est leur faute. Donne-la-moi, mon Medjay. Donne la bague à des... Ces hommes sont des ingrats. C'est à moi qu'elle revient. Il est temps que je me mette en route, frère. N'es-tu pas triste? Tes amis sont morts. Aguisé, les amis meurent chaque jour. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, mais il a jeté la bague, quoi. À cause d'une bague, ils font ça? Où est-ce qu'elle est? Nek, la bague! Ben voilà, cherchez la bague maintenant. C'est votre mission, quoi. Du coup, voilà. Ça, c'est fait au niveau de... Comment dirais-je? Pardon, j'étais un peu occupée. On va encore parler avec lui. Maudit soit-il! Je dois trouver la bague avant eux! Continue à chercher. Elle va bien réapparaître. Apparemment, oui. Ah, je ne renoncerai jamais! C'est clair. Du coup, qu'est-ce qu'on allait faire, les amis? Voilà. Je suis un peu perdu. Hop, enquête, enquête. Bon, c'est pas ça. Aptitude. Ah oui, j'ai deux aptitudes quand même. Par contre, qu'est-ce que j'ai loupé ici? Non, y a rien. Ok. J'ai encore le graphite. C'est ce qui est bien. Du coup, ce qu'on va faire. Ah oui, venger Kolegaï. Désolé, Kolegaï, mais je vais partir faire cette mission vite fait. Ça sera mes deux épisodes et apparemment je vais pas continuer. Du coup ça fera vite fait une petite partie parce que là je sais pas combien ça va me prendre hein, donc Toujours sur ah,
M7. Gazé. Wow. Gazé, c'est ça? Non, Gizé. Je vous dis que c'est difficile d'apprendre les mots. Hein, parce que là, ça va être chaud. Alors, c'est pas loin. C'est juste ici. On va savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Hop. Il est mort? Un habit grec. Oh non! Mais qui l'a frappé? Réveille-toi. Allez! Ah, oh, tant mieux, tu n'as rien. Allez, debout! Mais sérieux, ils l'ont frappé, quoi? Je te croyais allongé dessus. Allongé sur quoi? Que s'est-il passé? Mes notes. Je suis géographe. Cortéseos, ravi de te rencontrer. On dirait qu'on a été attaqué. Ils m'ont fait les poches. Ils ont pris mes notes. Tu ferais bien de vérifier ta bourse. Ah, toi mais aussi. Désolé, mon Discord a sonné. Je savais bien que c'était de la folie de traverser seul le désert. Je dois retrouver ces voleurs. Et il vaudrait mieux pour eux que mes notes ne soient pas abîmées. On a déjà de la chance d'être en vie. De quoi te souviens-tu? Me souvenir? J'ai pris un coup sur la tête. Tout ce dont je me souviens, c'est du galop d'un cheval qui s'éloignait. Il y a peut-être des traces. Reste ici. Ok, des ce traces, qui est à toi et à sérieux, moi. Là. D'accord, c'est cette mission qu'on va faire. Du coup, je fais une petite pause et j'arrive les amis. On est de retour les amis. Comment on va se faire? On va faire cette quête. Ce qui était à moi est à toi. Oh non, ce qui est à toi est à moi. Bon, qu'est-ce qu'il veut ça? On va parler avec lui encore. Si tu as l'intention de poursuivre ces voleurs, sois prudent. S'il t'arrivait quelque chose, je m'en voudrais toute ma vie. Ces traces récentes mènent vers le sud. Avec c'est de parti. La chance, elles n'auront pas encore disparu sous les sables. C'est parti les amis, on va faire ça. Ah, ils sont là. Faut que je bascule de l'autre côté. Non, Dio, ils sont très... Comment ça découvrir Gizé? Non, Gazé. Gizé, ouais, c'est ça. Wow. Ah, je les ai pas vus. Hiya. Un groupe de yens. Wow. Hey. C'est parti. Je les ai pas vus, hein, honnêtement. Bon, on va envoyer Sinou comme d'habitude, parce que je pense que Sinou... Les voleurs se sont enfuis vers ces ruines. Voilà. Wow. Je vois des chevaux là-bas. Des chevaux, plutôt. Un cheval, plutôt. Ah, il y a une entrée. Il y a une grotte. Ah ouais, on va entrer ici. Du coup, il y a une entrée. Wow. On va partir et j'espère que je vais pas trouver des serpents là-bas. Hop. On va progresser la partie... Ah, on va pas entrer ici. Que fait un enfant ici? C'est dangereux. Je cherche des choses pour Anta. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi il est... Je suis un Medjay. Je cherche des voleurs qui sont passés ici. Tu as vu quelqu'un? Non, personne. Tu es seul ici? Non, oui, je suis tout seul. C'est bizarre. Ce garçon cache quelque chose. Alors, je pense qu'il y a une entrée spéciale ici. Il m'a dit qu'il y a une entrée... Ah ouais. Tu devrais partir, il n'y a rien ici. Ouais, c'est ça, mon œil.
Bon, on va voir. Normalement, c'est une entrée, je pense, de l'autre côté. Ce que je me suis dit. C'est là. On va porter. Oh non, mais j'ai pas dit de casser, Bayek. Voilà. Encore un enfant qui est là. C'est bizarre. On va explorer ça. Pourquoi un enfant comme toi vient jouer ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Je cherche des objets volés, et je crois que tu pourrais m'aider. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Petite, tu n'as rien fait de mal. Et je peux t'aider, tu sais. On l'a caché dans la pyramide de... Nikelinos. On a dû le faire pour Anta. Je suis sûr qu'Anta est une bonne amie. Mais vous ne devriez pas faire de telles choses à Gizeh. Je t'en prie, ne te fâche pas. Ah, on peut pas entrer par là. Il faut qu'on ressort. Alors, c'est à 100 mètres d'ici. Tu peux éteindre ta flamme, Bayek. Est-ce que la rentrée, l'entrée plutôt, ce sera par ici? Je ne sais pas. Oh là là, je suis trop hâte pour entrer à la pyramide, quoi. Alors, voilà, ce que je me doute, l'entrée, ça sera par là. Et c'est parti. Oh, waouh. Oh, j'adore. Oh, ça va être chaud, les gars. Oh, c'est quoi ça? Y a rien, on continue. Tellement c'est sombre. Oh là là, ça fait peur. Ça fait peur. Oula, attends, y a quoi là-bas? À mon avis, il y a quelque chose en bas, mais je commencerai d'abord par ici. Oula, c'est joli. Les richesses des anciens. C'est clair. Pardonne-moi, grand Amon. J'ai besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il y en a un petit truc ici. Oh, je croyais que c'était grand. Ah oui, ah, bah, on va prendre cet arc de prédateur et on va suivre ça. Recréateur, toi qui dirige la manjette, tueur du serpent Apep, porteur de moustache, gardien de l'arbre sacré Ishet, qui a combattu sans relâche à nous la nuit où les ennemis de Nebercher ont été défaits. Nous t'offrons ton fils Mikerinos afin... Attends, j'ai pas vu. Afin qu'il puisse marcher à tes côtés. Ok. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est... Ah, mais il y a quelque chose en bas. Explorer la pyramide. Ok, on va continuer à poursuivre. Ah oui. Oh my god, c'est quoi ça? C'est notre pyramide! Hé, tu sais manier le gourde? Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Combien êtes-vous ici? Rien que mon frère, ma sœur et moi. Ne leur fais pas de mal, le responsable, c'est moi! Je veux les notes volées aux géographes grecs que vous avez assommés. Et je veux mon argent. On a tout donné aux brigands qui sont dans les collines, à l'ouest des tombeaux des Minous. Ils nous ont pris Anta, et ne nous la rendront que si on vole pour eux. Qui est Anta? Notre protectrice. On était sur la route de Memphis quand ils l'ont emmenée.
Si on ne fait pas ce qu'ils demandent, ils vont la tuer. Des brigands qui exploitent des enfants. N'est qu'à tire-tête. Rassemble ton frère et ta sœur et cachez-vous. Je vais vous ramener en tas. Tu as ma parole. Ok. Maintenez pour prendre la main d'une torche pour éclairer les rues au Uxul. On va prendre ça. Au divin roi Mykerinos, lui, aux yeux d'or. Oh là là, ça, ne dis pas que ça va encore. Accepte ces cadeaux susceptibles d'apaiser ton esprit. Puisses-tu accorder à ceux qui tuent les offres le pardon pour avoir blessé ton sommeil, être troublé. Tu as apporté la prospérité à notre peuple et la paix à notre pays. Et Cléopâtre, reine d'Égypte, mère du Nil, au ton nord, accorde-nous ta bénédiction. Ok, ça c'est quoi? Ah, mais il y a quelque chose encore. Cette binette qui en cette herkeftiu. Tu crois vraiment que tu pourras nous ramener en tas? Il faut sortir d'ici, je pense. Hein? Non, sinon il est indisponible. Ça, on peut pas ouvrir cette tente, malheureusement. Bon, c'est là la sortie. Je savais ça. Du coup, il n'y a rien. Non. Bon, glisse. Voilà. Bon, c'est pas loin d'ici. C'est comme d'hab, 700 mètres d'ici. Et on va faire... Wow. Bon. Bon, il est... Je peux rien faire malheureusement, c'est trop tard. Du coup, on va peut-être envoyer Sinou. Il sera là-bas. Là-bas. Ah. Wow. Ah. Ah mais qu'est-ce que je fais? Veille sur le dé. L'ennemi. Oh. Je dois partir. Allez, c'est qui nest? Retenez l'ennemi. Oh. Je dois partir. Wow. Ah oh, mais c'est pas possible. Je peux l'atteindre d'ici. Mais c'est pas possible. Comment je les ai ratés? Il est fort. Je peux l'atteindre d'ici. Non mais faut que je finisse. Retenez l'ennemi. Je dois partir. Je vais te tuer. Retenez l'ennemi. Je dois partir. Ah, il m'a assommé. Protégez ma retraite, mes frères. Ah, mais c'est quoi qui me rend faible comme ça? Ne pointe pas ça sur moi. Ils sont forts. Ils sont forts. Bon. Je sais pas comment je les... Faut que je trouve la solution pour ça. Soit... C'est parti, on va refaire. Wow. 3. Désolé, rejoindre le repart de Bondi où est retenu à Anta. Je vois derrière moi s'ils sont pas ici. Wow. Ah.
grotte. On va la faire à l'impôt. C'est le campement où est retenu Anta. Les enfants ont tout donné à ces brigands. Alors les notes de Cortezeos devraient être ici. Aucune trace des notes ni d'Anta. Le butin des brigands doit se trouver au fond de leurs repères. Hey! Hey, attends-toi! Je te tiens! Tu vas mourir! Tu ne m'échapperas plus! Quoi? Te voilà! Tu vas crever! Je voulais faire. Voilà. Et là! Hey! Oh là! Merde! Non, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a rien. Nouveau lieu découvert tempo de l'adorateur du Tot. Ok, je comprends. Ah! Hey! Crève! Allez, dors. On va faire ça vite fait. Ah ouais, c'est une grotte. C'est quoi ici? Que fais-tu ici? Oh. Que je vais prendre un sac. À ce que je sache, ils ont un pouvoir. C'est, je ne sais pas, avec leur fléchette, il faut que je l'active. Ah, il y a quelque chose en haut. Mais c'est pas fini, hein. Attends. Mais non, Bayek. Ah. C'est quoi ça? Et le fameux saut. Je pense qu'il y a... Hey. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On a besoin de ça. Un tas toujours n'est pas là. Au grand papa chef des babouines, premier-né d'Osiris et mangeur d'entrée, lui qui se tient au bord du lac de feu et dévore l'âme des injustes, ceux dont le cœur a pesé trop lourd devant Mad, destructeur, punisseur, ravageur, juge très vénéré, annonceur du chaos, nous l'honorons. Ok. Mais à quoi ici? Ça c'est quoi? Ok. On est toujours en train d'explorer. Non, mais il n'y a rien ici. Ah, ici.
Lui qui vit sa flamme, lui qui vient à son heure. Rouge de deux yeux, flamme qui voit dans le chaos noir et dans les yeux arrêtant la grande Manjette. Nous te demandons de nous accorder la vie éternelle à tes côtés. Ah, il y a quelque chose encore, c'est encore la grotte, elle est un peu loin. Profonde plutôt. Anta. Elle est morte, Anta. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ça, l'Anta. Évidemment. C'est toi, Anta, leur protectrice. Tu sauras retrouver ton chemin. Ramener Anta. Allez, aux ma enfants. Fille. Oh, mais c'est pas possible. Alors, Anta. Toi aussi, tu es une protectrice. Tu es tout excité, hein? Tu vas bientôt les revoir. Est-ce qu'elle va nous suivre? Ouais, c'est par là. On y va, Anta. Je te suis, Anta. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Le vent se lève. Et le sable avec lui. Wow. C'est parti, enfin. Je croyais que... Vous avez dit de rester caché. Je sais, mais c'est arrivé par notre faute. Et on s'est dit que tu pourrais avoir besoin d'aide. Le cavalier est beaucoup, beaucoup plus grand que toi. Le cavalier? Quoi, tu l'as pas vu? C'est le plus méchant de tous. Grand et fort, c'est lui qui a emmené Anta. Il a les notes de Cortezeos. Il doit s'en servir pour trouver des trésors. Je l'ai aperçu dans les ruines, près de la pyramide de Khéops. Je vais m'occuper de ce cavalier. Vous feriez mieux de partir. Tout de suite. Je devrais regarder du côté des pyramides. Je pourrai enfin retrouver ces notes. Dois-je attendre que ce cavalier revienne dans sa grotte cette nuit? Ou dois-je l'affronter alors qu'il terrorise Gizeh? Apparemment, c'est une grande épisode aujourd'hui. J'espère que ça va pas être trop long. Ça, c'est guisé, quoi. Et comme d'hab, je vais envoyer Sinou. Il va explorer ça, je pense. Et comme je vous ai dit... L'entrée, c'est par là. Ah. Ouais, il y a une entrée. Oh, ouais. Trouver et assassiner le bandit au cheval. Wow. Dans la tête. Les notes de Cortezeos. Voilà, les notes de Cortezeos. Il sera heureux de les revoir.
Du coup, voilà, je pense que je vais terminer avec cet épisode-là. Et voilà, je pense que peut-être soit il y aura d'autres missions sur Gizeh, soit la tempête. Wow. Il y a une tempête qui arrive, je vois ça vite fait. Ouais, la tempête est là. Wow. Hey, j'ai de bonnes nouvelles. Mais... Nat, par Zeus, je n'en reviens pas. Mais je te dois la vie. Il a sauvé sa vie, quoi. C'est fini. Les brigands sont partis. Ils ne vous ennuieront plus jamais. Alors maintenant, vous pouvez arrêter d'assommer les gens. Ce sont les voleurs? Oh, doucement, mon ami. Il y a eu un malentendu. On leur a forcé la main. Ces enfants doivent rentrer sains et saufs à Memphis, d'accord? Oui, à la maison de Neph, avec tous les autres enfants. Je n'ai pas encore cartographié Memphis. C'est ma prochaine étape. Tu sais comment y aller? Non, mais eux, ils peuvent t'y emmener. Quelle chance! Allez, venez! À Memphis? Oh, bien sûr! Merci. Il n'aime pas les quand le sert comme ça, Bayek. Passe nous voir. Le pauvre. Dès qu'il voit, les enfants, ils disent c'est bon. Il se rappelle de son enfer. Du coup, voilà les amis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Wow. Apparemment, j'étais un peu déçue. Normalement, il y a ça à visiter et ça. Apparemment, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous attendre. Encore, c'est pas encore terminé, Gizeh. Et ça, c'est quoi? Trouver la tablette ancienne. Ok, donc il y aura 3 missions de la semaine... c'est pas la semaine, pour un autre prochain épisode. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire cet épisode. Voilà, je vous dis la prochaine les amis. C'était avec vous The Gamers Discothèque et je vous dis ciao ciao.